Bonjour, je m'appelle Florian, alias Floteil, et je vais vous expliquer pourquoi je suis un vénard dans la vie. Voilà, donc j'ai une infirmité motrice cérébrale, en fait c'est un handicap de naissance. Comme je dis communément, je suis handicapé en CDI. Je me déplace en fauteuil roulant, trop la chance. L'avantage c'est que les semelles de mes chaussures restent tout le temps neuves, et donc ça c'est cool. J'ai beaucoup de spasticité comme vous pouvez le voir, c'est pour ça que j'ai toujours l'impression d'être un conquérant, et c'est très positif. Et le fait d'être assis en permanence, bah, ça me permet d'avoir une superbe perspective dans la vie. Oui, donc en fait, bah pour moi, l'humour est vraiment une arme d'acceptation et de partage. C'est pour ça que souvent on dit « oui, la chaise électrique, c'est mortel ». Non, en l'occurrence, bah pour moi, elle me permet de me déplacer, donc c'est cool. Mon handicap m'a aussi permis d'avoir une grosse carte bleue et je la montre fièrement à chaque fois que je vais sur un parking. Et je voulais vous dévoiler en exclusivité ma technique pour garder un summer body au top et faire un régime. Démonstration. Dirigez-vous vers votre frigo. Oh, une pizza! Vous voyez, l'invalidité rend inaccessible la source de calories et le froid va paralyser mon envie de manger. Conclusion, pour un régime efficace, ne mangez pas de légumes, soyez un légume. Pour moi, la créativité aussi, c'est une super possibilité de voyage, d'évasion, de sortir véritablement de sa condition pour explorer d'autres schémas de pensée, d'autres schémas culturels que peut-être la photo, l'illustration, le cinéma, la vidéo. Et donc, moi, en fait, ce qui me transcende véritablement, c'est de me dire qu'il y a une multitude d'opportunités créatives et le monde est tellement beau autour de nous qu'il y a tellement de belles choses à faire, que ce soit un beau dessin, que ce soit une œuvre d'art, une vidéo. Et ce qui est aussi très intéressant en fait avec la créativité, c'est que la créativité, et c'est ça ce qui est très important, c'est qu'elle est partagée. Grâce à la créativité, c'est le ciment entre les individus. C'est à partir de ce moment-là où tu peux te rendre compte que tu as des vecteurs communs en fait entre les gens, quelle que soit leur situation morphologique, leur situation sociale. Et parce que la créativité transcende le tout, l'ensemble. Et donc c'est pour ça que moi dans mon environnement, il est hyper créatif. Parce que voilà, j'ai besoin de cette stimulation, que ce soit par des artistes, que ce soit par des graphistes, que ce soit aussi par des vidéos, des scénarios, etc. Moi, en fait, j'encourage véritablement tout le monde à entreprendre parce qu'en fait, on a tous quelque chose à prouver, on a tous quelque chose à partager, quelle que soit son expérience de vie, sa situation morphologique. Et c'est de par cette expérience de vie que tu vas pouvoir aussi enrichir l'expérience collective de la société et faire avancer la société dans sa manière de percevoir les choses, dans sa manière d'interagir aussi avec son environnement. Et c'est ça qui est vraiment cool pour moi et qui me transcende et qui me motive. Et c'est aussi par l'intermédiaire de l'entrepreneuriat que j'ai décidé de créer ADN, c'est une marque de vêtements, donc qui a pour but de pouvoir parler de la singularité de façon complètement décomplexée et positive. Et aussi grâce à l'entrepreneuriat, ce qui est fabuleux, c'est l'union entre les gens, la possibilité de fédérer autour de toi, de mobiliser des personnes autour d'une même cause pour faire avancer le bien commun et la représentativité, en l'occurrence du handicap, dans la société. Et comme je considère que la singularité est une chance, j'ai développé une seconde marque, Vénard, qui est distribuée chez Tousergo. Vénard, ce sont des produits et des services spécialisé pour la customisation de vos dispositifs médicaux, fauteuils roulants, déambulateurs ou tout autre dispositif. En fait, on a développé toute une gamme de produits, passant du sticker hautement résistant pour customiser vos dispositifs à la peinture sur pièces détachées. Mon objectif avec Vénard, c'est de proposer en fait à chaque usager de pouvoir pleinement customiser son dispositif pour qu'il puisse refléter sa personnalité et partager ses passions, à l'instar d'un tatouage. Et c'est pour ça qu'en fait, Vénard vous offre de toutes nouvelles opportunités de percevoir les choses différemment, de percevoir vos dispositifs médicaux différemment et de partager vos passions, votre univers et de faire rayonner pleinement votre singularité. Car avec Vénard, on souhaite que vous puissiez créer de l'engouement sur vos équipements.
Alors, pour moi, en fait, c'est très simple. C'est quand vous sublimez vos singularités, alors votre déficience devient efficience. Parce que pour moi, à partir du moment où on accepte pleinement sa singularité, alors on peut pleinement se transcender.